Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez vraiment bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le let's play numéro 6. Et on va faire ce qu'on avait dit du coup lors du dernier let's play. Parce que lors du dernier let's play, je m'étais un peu paumé, j'avais un peu baladé partout. Et là en fait, on a dit que le but c'était d'explorer comme il faut la zone numéro 2. Donc on va explorer toute la zone numéro 2. On va faire ce qu'il y a à faire. Oh, il y a un... Ok, il y a des api Trini là-bas. Bon pour du shiny, on sait pas. Peut-être qu'il y aura du shiny, on va voir. On va... De toute façon, on va traîner dans la zone numéro 2, mais on va vraiment traîner ici. On va voir un peu tout ce qu'on peut faire, les terras, etc. On va faire tout ça. Et si on a du temps encore dans ce let's play, on ira voir sûrement une arène, mais je sais pas laquelle en fait. Ça, si c'est une arène. C'est une arène ça ou pas? Non, ça c'est... Oh, remarque, ça peut être intéressant. Je sais pas si on peut y aller. Ça peut être intéressant à la limite de faire. Ça c'est quoi ça? Un parfum de légende. Le dominant acier tranché sera un Pokémon redoutable de... Ah, c'est un Pokémon dominant là-bas. Ou alors on peut faire le Pokémon... Je vais encore me paumer dans... Moi je vais bientôt dormir, demain je me lève tôt. Ah ouais, ok. Mais il n'y a pas de souci, Hilo, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et oui, effectivement, comme vous pouvez le voir, YouTube, c'est bon, les streams ont repris. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, à rejoindre le Discord aussi pour parler entre nous. Et puis voilà, quoi, avec le plaisir. La voix du maître. Donc là, il y a une arène. C'est une arène de type électrique. Zone S numéro 2, je sais pas si je peux y aller. Écoute, déjà on va zoner un peu dans la zone sud numéro 2. On va voir un peu les Pokémon, etc. On va faire les. Ben voilà, dresseurs. On va commencer direct par ça. Attendez, mes Pokémon ils sont soignés? Ouais. On va mettre Charbambin. On va faire attaquer le petit Charbambin. Je sais pas si le son du jeu il est bien ou pas là. Je m'en rends pas compte. Ouais, normalement le son du jeu est bon. Tant pis, ben, s'il est pas bon, c'est tant pis, ce sera pour la prochaine. Voudrais-tu que je te dise où se trouvent les 10 merveilles de Paldea? Ben ouais. Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. Bien sûr, je veux savoir où elles sont. C'est tout de ouf le week-end, 9h. Il est bizarre ton perso, ouais. Non, il est bien. J'aime bien moi. Lambert l'employé. Je trouve il a du flow mon perso, t'es ouf ou quoi? Un axolotl, donc ouais, c'est des nouveaux axolotl ça. On en a déjà attrapé un. Allez, let's go, Charbambin. On avait dit. Attends, je sais plus, je crois il est sol et poison. Hein. En vrai, je peux le fumer. Hein. En vrai, je peux le goumer. Attends, il est niveau combien? J'ai pas fait attention à quel niveau lui. Il est niveau 8? Oh là là, bah allez, je vais le dégommer. Il me fait même pas peur. Même son tir debout, regardez-moi ça. Pas de dégâts. T'as vu le nouveau Minecraft? Ouais. Il y a plein de nouveautés qui arrivent sur Minecraft là, c'est lourd. Il y a plein de nouveautés qui arrivent sur Minecraft. Ça, c'est trop bien. Bon bah du coup premier combat franchement très 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 easy. J'ai jamais vu un paysage pareil. Ok super. Est-ce que du coup tu vas me dire où elles sont les 10 merveilles ou pas? À tout hasard. L'une des 10 merveilles de Paldea se trouve là de l'autre côté du champ Pokémon. Au bout de ce chemin se trouvent les grandes. Les quoi? Les grandes olivrées. Ah ouais mais ça on l'a déjà vu ça. 18, 18, 21, 18, 17, 16, Pimito. On va rester sur Charbambin et on mettra Pimito au pire après. Tac tac tac, vas-y, on va se balader. Hein. On va se balader, on va sortir Miraidon. La petite bécane. On va prendre tout ce qu'il y a sur la route. Donc là-bas, je crois qu'on pouvait. Si on pouvait y aller. Mais là, pour l'instant, on va faire ça. Bon, je vois, il y a une terra là-bas, je sais pas si elle est accessible. Petite super potion, on prend. Donc là, c'est la ville où on avait fait la première arène. Ok, on va essayer de pas taper les Pokémon qui servent à rien. Ah, il y a un Pokémon Terra là-bas, venez, on va le voir. On check un peu les Pokémon qu'il y a en même temps. Merde, j'ai pas vu ton piqueur. Ah ouais, je savais pas, j'allais dire encore de la merde, je voulais encore dire de la merde. Mais non, non, mais c'est vrai, il y a un. C'est pas un nouveau jeu Minecraft, mais il y a des nouveautés qui arrivent dans la prochaine mise à jour, c'est ça qui est bien. Mais j'avais oublié qu'il était si bas level ici, non? Il était pas level 16. Moi, je vois level 9. En vrai, il fait pas beaucoup de dégâts avec son Flamèche, hein. Sûrement parce que c'est un spécialiste de l'attaque normale, enfin de l'attaque physique et pas spéciale.
Le petit étonnement. Allez, ça dégage. J'ai aussi commencé Horizon 2, je l'ai depuis longtemps, mais j'ai arrêté. Et alors? Il est lourd Horizon 2, quoi. Enfin, moi, j'ai entendu que du bien de ce jeu. Ok. Mais oh, mais regardez l'espace qu'il y a, c'est pas normal, ça lance le combat comme ça, là. On va le goumer. On prend rien comme XP, faut vraiment pas se battre contre des Pokémon comme ça, ça sert à rien. Regroupement, on a. Là-bas, ça doit être un dresseur, on va se le faire. On va d'abord faire ça. Ah, c'est un Topiqueur! Ok, j'aime bien, mais j'avais arrêté parce que je venais de recommencer le 1 et le 2 est sorti 2 semaines après. D'accord, ok. Ah, le 2 il est magnifique. Hein. Ça, je crois, c'est type roche. Ah, là, il est niveau 17, ok. Ouais, c'est type roche là. Là, c'est type roche. Ah, ben on va mettre Pimito. Let's go, on va mettre Pimito. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais je tombe sur le mauvais. Pourquoi je tombe sur un Topiqueur qui a ce talent là? C'est pas juste. Quel flou il a ce Charmander, sérieux. Il a un flou incroyable. On va lui faire un petit feu follet à la limite, ça va le brûler, ça va baisser l'attaque comme ça, je suis tranquille. Quoique... ça part mal ça. Ah ouais, il m'a one shot. Oh. Bah ouais, c'est évident. C'est évident. Envoyer un autre Pokémon. Bah oui. Pimito, let's go. Du coup, j'en ai marre. Ouais, je comprends. Hein. Mais du coup, là, t'as repris. T'as bien repris Horizon à fond alors. Un petit tranchère. Le nouveau God of War, non. Non, 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 non. C'est pas prévu. Là, j'ai trop de jeux en cours, là. Là, j'ai déjà précommandé le Hogwarts Legacy, là. Le jeu qui est basé sur l'histoire de Harry Potter. Enfin, ça se passe avant, mais du coup, lui, il est déjà préco. Donc, j'y jouerai... normalement, je pourrais même y jouer avant sa sortie. Donc ça c'est très bien, c'est très très lourd. J'ai tellement hâte de me le faire. Oh là-bas je peux pas y aller je pense. Hein. Ah un aromate. Oh mais vas-y je passe à côté. Je passe à côté, casse-toi, passe rouge. T'es niveau 8 en plus, doudou. Bah oui. Oh, je crois que c'est mon premier coup critique. Ouais, j'ai repris, je fais le début. Si, si, j'aime bien les God of War, mais en vrai, faudrait que je me les tape tous, en fait. Faudrait que je me les tape tous. J'ai joué à plusieurs God of War, mais j'ai pas dans l'ordre et comme ça, en fait. Hop. Jeu de l'année qui pour toi est Elden Ring. C'est clair, net et précis. Même si je l'ai pas torché encore. C'est... pour moi c'est la masterclass. C'est... le jeu il a pas de défaut, il est trop bien, c'est un truc de fou. Les musiques, la DA, les graphismes, tout est bon dans le jeu. Le lore il est incroyable. Même si les gens ils ont du mal à se mettre à fond dans le lore, le jeu il est juste incroyable. Ça, c'est un jeu que je lâcherai jamais. Hein. Même si là, j'y joue moins, mais parce que vu qu'il y avait l'arrêt des streams, etc. aussi, tu vois, ça y jouait. Hein. Mais Elden Ring, bien évidemment, Elden Ring, c'est mon gros coup de cœur. T'as refait un perso, mais non. Et toi, c'est quoi le jeu de l'année pour toi? Pourquoi t'as abandonné?
Allez, Balignon, tu dégages. On n'a pas le droit d'attraper le Pokémon de quelqu'un d'autre? Ah bon? Bah non, connard. Il voulait me piquer mon... Ah, The Last of Us aussi, hein, énervé. Hein. Après, c'est pas de l'année, hein, ça va. Et Horizon 2, ouais, lui par contre je vais le prendre, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain que Horizon 2 je vais le sécher. Ok, donc là on a une Terra, c'est quoi d'ailleurs? Une Terra? Un Terra vol, ok. Bon on va tester ça. Hein. Arakdo. Ah c'est avec Arakdo du coup type vol. Énorme. Ah merde, je suis parti avec... merde, je suis parti avec Charmambin, là. Ah merde, j'ai été con, là. The Last of Us 2, c'était pas cette année. C'était... Je sais plus, mais c'était pas cette année. Je crois pas que c'était cette année, je sais plus. Cet écran blanc toujours ignoble, hein, qui casse les yeux, ça, c'est un truc de fou. Ah, quel beau gosse, mon personnage. Un Arakdo type vol, alors ça... Hey, let's go les amis! On va lui casser le moule! Ouais, donc ça prend plus en compte son type d'avant. Hein. On est d'accord. Oh là là, le coup critique, hein, je lui fais pas de dégâts. Ça va être triste. C'est qui a fait autant de dégâts là? What? Ah il a pris cher là? Oh j'ai fait genre zéro dégâts quoi. Y'a un truc bizarre sur ton mur mais... Arrête de vouloir me faire peur. T'es nar. Regardez-moi ce lancer de bol toujours aussi incroyable. Je kiffe cette animation, elle est trop stylée. Il y a plus personne sur le live, Ada. Il y a plus que toi, Hilo. Je vais allumer la lumière, je me fais peur à moi-même. T'es bête. Mais non, il y a rien. Il y a rien. Non, non, on va pas l'inclure dans l'équipe, le Arakdo, là. Makuhita. Je l'avais attrapé, Makuhita, non? Je sais plus. Je crois que oui, hein. Je crois qu'on l'avait attrapé. Ouais, on l'avait attrapé. On va le goumer! Un truc sur le front, c'est mes cheveux, connard. Ouais, je vais aller voir, la streameuse. Avec plaisir, je vais aller découvrir un peu. Et Tourmi, ah, et Tourmi, je l'avais pas attrapé. Bah vas-y, let's go, on va l'attraper. Petit bleuzel qui passe niveau 19. Non merci, je ne veux pas des tourmis, merci, au revoir, ciao ciao, bye bye. On n'a pas vu de nouveaux Pokémon vol hein, dans le jeu encore là. Qui pourrait potentiellement remplacer bah, tous les Pokémon vol qu'on connaît. Là il y a un truc là, mais je sais pas si je pourrais y accéder. Oh, il y a un truc là, mais non, je peux y aller là.
Si, je vais pouvoir monter dans un tour, je crois. C'est quoi, c'est type plante, c'est ça, là? Il y a un autre dresseur, là. Un gourmelet? Un gourmelet type plante? Non, c'est pas ça. C'est quoi, vert, comme ça, là? Je sais pas si ça a un lien. Mais ça, mais j'ai rien, oui, t'as craqué. Ah, c'est type insecte. Ok. On va le goumer, le gourmelet. En vrai, on va pas l'attraper, parce que si je dois attraper tous les gourmelets avec des terrains différents... Surtout quand je vois son évolution, waouh. C'est un peu abusé, je trouve. Hein. Par contre, on leur fait pas de dégâts, genre. Gros mollet, ouais, bah tu verrais son évolution à lui. Son évolution, elle s'appelle Fragouin. C'est une cochonne, c'est. C'est une petite cochonne, c'est. Allez, ça dégage. Non, on va pas l'attraper. Les récompenses, ça font plaisir en tout cas. Eh, hey, dresseur. C'est quoi son pull, là, lui, là? Qu'est-ce qui, en moyenne, mesure 0,7 mètres, donc 70 cm, et pèse 20 kg? Je sais pas, moi. C'est un Pokémaniac, mais ils ont changé, les Pokémaniacs. Bah, je suppose que c'est ton Grignot, hein? Parce que c'est ça. Est-ce que Pimito est le Goom? Je vais t'envoyer le lien du virus sur Discord. Vas-y, vas-y, j'adore les virus, moi, envoie. Est-ce que Pimito, il va le goomer? Pimito, non! On croyait en toi! Bah vas-y, Charbonbin, finis-le! J'irai pas dans un petit Grignot, n'empêche, hein! Ah, mais je vais même pas lui faire de dégâts en plus! Bah ouais! Non, s'il fait que char, ça va, ça me fait pas peur! Attends, mais Pimito, il a pris de l'expérience alors qu'il est KO? T'as trouvé la réponse à mon énigme? Bah c'est ton Grignot, connard. C'est sûr c'est ça. Ouais, donc il m'a dit ouais quelque chose d'intéressant, mais honnêtement, on n'est pas là pour chercher du Grignot là pour le moment. On est là pour fouiller la zone 2. Regardez s'il n'y a pas des Pokémon un peu spécial. Attendez, je sais pas, je crois avoir vu un truc aussi. Non, c'est pas ça, c'est ça.
Ouais, si j'ai bien compris. Attendez. J'ai cru entendre dire que lui, il évoluait si je faisais 1000 pas, genre en avant. Est-ce que c'est vrai? Oh, les Great Notes, ils viennent. Les trucs là, ils viennent vers moi là. Les granivoles là. Normalement, est-ce que. Je crois s'il fait 1000 pas. Il évolue, je crois. Si j'ai bien compris. Il est où? Je vais trop vite pour lui? Je sais pas si je vais trop vite. Ouais, je vais trop vite. Faut descendre. Voilà. Ouais, tous les passes rouges là. Oh. En vrai, je peux l'envoyer dessus, il va les goumer. Hein. Il sait même plus lequel choisir. Non, on peut monter là, du coup, là. Ton nez, attention. Mais tu vas arrêter avec mon nez, là? Tu vas arrêter avec mon physique? Ça se voit qu'il est tard. Hein. Mon nez, il s'est envolé. Ah ben là on a le droit aux deux là. Ah c'est un passe rouge. Non, je veux pas faire ça. Il va se poser ou il faut que je lui envoie le... Je suis curieux de savoir c'est quoi. Savoir c'est un passe rouge quoi. Oh flamme! Ça peut être intéressant en vrai. Parce que du coup ça augmente ses dégâts de feu. Donc pour un flambusard, ça peut être bien. Hein. Je sais pas si je le tue, si je fais... Ah mais non, elle a les flammes, donc du coup, non, c'est bon, je vais pas le tuer. Je vais l'attraper quand même. Je vais me lever à 3h demain, je vais te laisser, donc bonne idée. Yes, ça marche, y'a pas de soucis, Hilo. Merci d'être passé, merci pour la ce fort. Ça fait grave plaisir de reprendre le stream et d'avoir eu ta présence. Merci à tous ceux qui sont passés derrière. Là maintenant je comprends, il est tard donc il n'y a plus personne, mais merci de ouf. Yo cousin, ça va ou quoi? Ça serait pas le meilleur streamer en live. Et cousin, si tu viens alors que je suis sur Pokémon, tu vas te spoil de ouf. En vrai là, tu vas pas te spoil parce que je vais pas. J'ai pas prévu d'avancer dans l'histoire ou quoi. Là j'ai juste prévu de finir d'explorer une zone, etc. Tac tac tac.
On va l'attraper le petit passe rouge. Parce que je me dis que s'il a des bonnes stats, et au même au pire on pourra lui mettre des bonnes stats, mais surtout du coup, vu qu'il a la Terra cristallisation de feu, ça augmente ses attaques feu en fait. Donc c'est un bon truc je pense. Il a mis un 160p quand ça regarde pas le stream. Ah ouais, toi t'es. T'es pas bête. Hein. Je passais faire un coucou à la famille au live. Ouais, ça fait plaisir, merci mon cousin. Et on va regarder le résumé. Tu vas jouer ou pas après là, cousin? Il a une belle attaque spéciale, c'est bien, mais il aurait fallu qu'il ait un boost d'attaque en vrai, que la vitesse. Mais c'est bien en vrai, c'est un bon Pokémon. Et Terra Crystal, du coup, de type feu, donc c'est nickel. Les gars derrière toi aussi. On va le garder, ce passe rouge, on va le garder. Ben, si t'es chaud, après, ouais. On fait un petit tour sur Minecraft. Ah, la reprise du live, elle était dure, hein, parce que je lance le live, ben, du coup, comme prévu, et bug sur bug, la co, elle allait pas. Oh là là. Ça m'a rendu fou, laisse tomber. Laisse tomber comment ça m'a rendu fou. Allez, dégomme-le, pommette. Non, pommotte, merde. Oh! Secousse Pokémon! Trop stylé, c'est quoi ce truc là? Forgerette? Allez les amis, je vous le dis, on a trouvé le Pokémon qui va qu'on mettra après, hein. Il a un truc dans les mains, je sais pas ce que c'est. Il a l'air trop stylé. Bon, on l'a paralysé. Il faut essayer de pas le tuer. Putain, ouais, mais en plus, ça a duré longtemps. Pendant au moins 2 heures. Pendant au moins 2 heures, j'ai fait que de lancer, relancer les streams, nanana, changer de co, essayer ci, essayer ça. C'était la merde. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc, du coup, grosse reprise des streams. J'espère. J'espère. Ouais, il y a du monde, ouais. Ouais, il y a du monde. Ça m'a fait plaisir. Voilà, il est tard, donc je comprends, mais. Il y a du monde, il y a du beau passage. Les gens, ils sont venus apporter de la force et ça fait grave plaisir. Bah écoutez, let's go, les amis, on va l'attraper. Hein. Forgerette, mais c'est quoi ça? Il est trop mignon. Let's go. C'est un Pokémon de type quoi du coup? Fée et acier? Ce Pokémon frappe des copeaux de ferraille afin de se fabriquer un marteau. Il persévère jusqu'à qu'il soit satisfait du résultat. Mais il est tellement lourd! Oh là là! Ouais, mais Fée et acier, en vrai, si je l'inclus dans l'équipe. Je pourrais enlever le Bleuzeil qui va devenir Corvaeus et un Pokémon acier. C'est juste que du coup j'ai plus de Pokémon vol. Et ça c'est un peu embêtant. Mais en vrai on n'a plus d'utilité dans les jeux d'avoir un Pokémon vol vu qu'on se déplace avec les montures. Ah Bleuzeil, je suis désolé hein, mais là j'ai trouvé un Pokémon qui m'intéresse énormément. Au revoir Bleuzeil. Et en plus je pense qu'il y a moyen qu'il ait deux évolutions. Oh ça c'est énervé ça. On va aller faire la Terra là. Ah je l'ai même pas fait, j'ai même pas fait attention à une tourmi. Bon les tourmis il va prendre cher. Hein. Il va prendre Zénith. Pimito? Bon, je le mets, mais en vrai, je sais même pas si ce sera utile. Hein.
Ah, c'est un Patachou. Patachou, c'est un Pokémon fée, du coup. On pourrait essayer notre... Il a quoi comme attaque? Est-ce qu'il a une attaque acier? Il a une attaque acier? Ben, vous savez quoi? On va partir avec Forgerette. Hein. On va le tester. Hein. On va partir avec Forgerette, on va le tester. On va le goumer, le Patachou, je vous le dis. On va le goumer. Ah ouais, mais j'avais oublié. Il est pas assis, il est pas fait du coup. Il a quoi? J'ai pas vu sa terrasse, c'est quoi? C'est acier ça, non? Ah, je l'ai dans l'os. Je suis trop bête. Ah non, c'est pas acier. Je sais pas c'est quoi du coup. Va te faire foutre. Ah ouais, en plus j'ai oublié de le soigner et tout. Voilà, non, c'est lui peut-être qui m'a paralysé, j'ai pas fait attention. Bon allez, faites votre job les compatriotes là. Voilà, défoncez-le, moi je vous regarde faire. Voilà. Vas-y, il va arrêter de m'attaquer moi? Une attaque supplémentaire devrait suffire, ok. Mais let's go, une attaque supplémentaire. Ah ouais, mais il en a goumé plus d'un là! Ah non, il en a goumé qu'un seul. Mais ça va bien se passer. Vas-y, petite Terra. Je sais même pas de quel type il est. Donc sa Terra elle est acier, ok. Mais go, Terra, acier. Voilà. Hein. Il a des airs un peu de Manaphy, tout ça là. Attends, c'est une hache pour le latéra de petit passier. Ah ouais, comme par hasard, il est paralysé. Non, mais à un moment donné, faut arrêter là. Mais vas-y, il s'agirait de doser, non? C'est abusé. Je l'attrape parce que je suis curieux de savoir c'est quoi cette terra cristallisation là. Yo Sophia, ça fait longtemps! Ah, comment ça fait trop plaisir de te voir sur live! C'est retour choquant, mais je tente un retour après une querelle, une querellette. On me dit que le temps pardonne, du coup me revoilà et désolé pour mon comportement de la dernière fois. Même si ça fait 5 mois. Mais non, mais t'as pas à t'excuser, on s'en bat les reins, wesh. Je m'en bats les reins. Malheur d'une force. En plus, c'est même pas avec moi que t'as eu un problème. Ah, c'était un Terra Cristal de type normal? Mais on aurait cru un cristal sur sa tête. C'est chelou, non?
T'inquiète, il y a zéro souci, Sophia, m'en bat les reins. Au contraire, ça me fait grave plaisir de te voir sur le live. Oh, le petit Wattpot qui dort. Ah, je me disais bien qu'il devrait avoir une pièce de mordu d'or ici, là. Non, non, cassez-vous les Pokémon, là. Laissez-moi tranquille. Oh, Narcomir, je crois, c'est ça. Let's go l'attraper. Bah oui, de ouf. Tu stream plus en plus, toi. Un petit froid de frimousse. Ah, ça fait plaisir, merci pour la force. Merci pour la support. Ah, c'est un nouveau compte, d'accord. Du coup, t'as 40 comptes chez moi, c'est ça. Qui repart à zéro. Ok, là, donc c'est ça que tu parlais la dernière fois. Il faut pas que je le tue par contre. Hein. Voilà, c'est bien nickel, on va l'attraper. C'est le vrai nouveau officiel. Ok, ça marche. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Voilà. En plus, du coup, tu passes sur YouTube. Hein. Tu vas passer sur YouTube Coucou. parce que cette vidéo elle est destinée à YouTube. J'ai entendu un coucou, je suis fou. Et YouTube. Ah ouais, il y a le Vidéo cous. destinée à YouTube. Ouais, bah oui, je suis en C'est train de top. te, je fais mon let's play en même temps que je live sur Pokémon du coup. Ah, t'inquiète, Voilà. je sais. Tu comprends le message du coup. Merde. Merde, il apprend Et je suis. morsure, c'est intéressant. Mais non, il faut que ça reste un Pokémon combat électrique. On va rester comme ça, on va pas lui apprendre. Bon, donc je vais apprendre Hurlement. Non. La question que je me pose, c'est que, vu qu'il y a un système de climat dans le jeu, un peu aléatoire, parfois il pleut comme ça, je voudrais savoir, est-ce que du coup la pluie qui tombe sans qu'elle soit engagée par un danse-pluie ou quoi, est-ce que du coup ça donne l'effet d'un danse-pluie? J'aimerais bien Bien savoir ça. évidemment que je pourrais pas te répondre. Bah ça, je sais que tu pourras pas me répondre, mais peut-être que YouTube justement pourra me répondre parce que là j'ai vraiment aucune... Merde, putain, j'ai perdu le... What the fuck? Oui, c'est ça dont je parlais l'autre fois. Ouais, c'est bon, je me rappelle bien. Au revoir à la famille de What What? Ça me fait plaisir de revenir et d'être accueilli les oiseaux. Mais bien sûr, avec grand... Le contraire serait vraiment bête. C'est évident que je t'accueille à bras ouverts. Ça fait grand plaisir de te voir. C'est quoi ça là-bas? Les granivoles qui volent partout. C'est beau. C'est trop mignon. Ah, c'est une pancarte, putain. Oh! Encore un. Oh, on a bien fait de se balader ici, là. Bon, ici, je pense qu'on a fait le tour, honnêtement. Tiravis, passe rouge, nanana. On peut... non, nous, on est arrivé par là. Est-ce que on pourrait pas prendre Miraidon et essayer de sauter sur la falaise là-bas, là? Du coup, Kouz, toi, le starter, tu l'as choisi. Est-ce que tu avais vu toutes les évolutions avant de le choisir ou pas? Ouais. Évidemment que ça a joué sur mon choix. Surtout Moi, que j'ai du coup, regardé. moi j'ai choisi J'ai un connu. un. J'ai choisi évidemment un starter qui serait intéressant pour se combattre avec, tu vois. Donc, Moi, voilà. j'en connais aucune. Du coup, comme ça. Et tu vas prendre qui du coup? C'est quoi qui t'intéresse? Je sais pas. Parce que t'as vu les premières formes quand même du Pour coup. l'instant. Juste les premières, ouais. Ouais, et c'est... Mais même si tu sais pas, juste celle qui t'attire le plus, c'est genre, c'est quoi? Celle qui te donne le plus envie, genre de À cliquer l'heure quoi. actuelle, en vrai de vrai, le petit canard. Ok, moi j'ai pris ça moi. Le petit canard ou le chat? Ou le chat. Ouais, bah, j'ai hésité Le entre les deux. crocodile moyen. Mais moi en fait sur tous les Mais Pokémon à chaque fois je pars avec le type feu. Et là en fait sur ce Pokémon là c'est le seul qui m'intéressait le moins. Du coup sur la partie que je fais pour YouTube et Twitch etc. Eh bien j'ai pris Coiffeton du coup le petit canard comme tu dis là. Oh il y a un coffre, on est sur Genshin ou quoi? Ça peut s'ouvrir?
Oh! C'est un mordu d'or, je crois? Ouais! Mais what the fuck? Mais moi je pensais que c'était un Pokémon qu'on invoquait par rapport aux pièces qu'on ramassait, pas genre je le trouverais comme ça dans un truc. Oh lourd! Je sais pas ce que c'est qu'un Pokémon, je sais pas s'il évolue, je sais rien de lui, hein. Mais du coup ouais, pour revenir sur le truc, du coup pour le stream, pour YouTube, etc. Et pour ma partie principale, donc ça sera le home sera connecté à cette partie-là. J'ai pris Coifton. Et après j'ai fait une autre partie Ouais. en off où bien évidemment je dépasse pas ma partie officielle. Donc je prends mon temps, tu vois. Et là j'ai pris Poussacha, donc le Pokémon Plante. Ok. Voilà. Et à l'heure actuelle, pour toi, en ayant testé les deux, c'est lequel ton préféré? Ben, en fait, à la base, mon choix, le choix que j'avais fait avant de connaître les trois formes évoluées, enfin les dernières formes, je voulais partir sur le Poussacha. Je trouvais que sur les trois, c'était le plus mignon et voilà, celui qui m'attirait le plus. Et puis c'est rare, je pars avec Pokémon Plante, je me dis ouais, pourquoi pas. Donc quand j'ai vu les formes évoluées, j'ai dit obligé, je pars sur Coifton. Voilà. Et je suis parti sur Coifton. En fait, c'est pas vraiment la forme en soi, parce que je trouve que la plus belle, c'est l'évolution de Poussacha. Personnellement, parce que même celle de Coffton elle est belle, tu vois. Mais c'est surtout les types Ouais. qui m'ont intéressé et les stats. C'est surtout ça. Est-ce que je te dis les types qui les accompagnent lors de la troisième évolution ou pas du tout? Ouais, en vrai, non, je découvrirai comme ça. Ok. Voilà. Bah, du coup, moi, c'est les types qui m'ont fait. Voilà. J'ai pas pris Poussage. Dans ma partie intérieure. Après, je vais essayer de l'avoir hein, avec les échanges, etc. Mais Ah bah je pouvais pas commencer avec ce Pokémon. Il vit dans un vieux corps. Ah, c'est un Pokémon Spec. Donc, du coup, j'ai attrapé le Pokémon que tu sais que t'avais montré dans Pokémon Go là. ah Ouais. Il vit dans un vieux coffre au trésor. On le trouve parfois dans un coin dans l'antiquaire. Comme personne ne s'est aperçu que c'était un Pokémon. Les données du mordu d'or sont été enregistrées. Ok, donc Pokémon Spectre alors. Ah, Tatiana, elle fait un petit peu de rangement, du coup. Ouais, bah, j'ai joué avec elle tout à l'heure. Ah ouais? Bon, bah, Bon, je pense faudra que que je repasse derrière elle, bon. j'ai chopé un mordu d'or de merde, mais. Et son talent, c'est quoi? Phobique? Si le Pokémon est touché par le talent Intimidation ou une attaque de type Ténèbres, Spectre ou Insecte, sa phobie se révèle et sa vitesse augmente. Putain, mais c'est lourd! Ça peut être lourd en vrai. À voir, à voir. Dans tous les cas, on va pas le mettre, hein, lui. Hein. Boîte PC, let's go. Est-ce qu'il y a une évolution par hasard? Ah, on le sait, on pourra pas le savoir s'il en a une. Mais ouais, du coup, ouais, j'ai joué avec elle, ouais. On a joué, bah, elle était, en fait, quand j'ai fait mon live sur Minecraft, elle a rejoint. Bon, elle a eu pas mal de bugs, mais. Oh, est-ce que je vais mourir? Non. J'ai oublié qu'on était dans Pokémon. Ouais, elle a eu pas mal de bugs, mais au final, ouais. Moi aussi, j'ai avancé un petit peu. T'es pas allé voir, du coup, mon truc? Non, là je suis pas allé voir, là Ben, n'y va pas, n'y va je pas, n'y va pas. N'y va pas. N'y va pas, parce qu'à la limite, je préfère être là quand tu y vas, parce que j'ai fait un petit truc clin d'œil, et je veux devoir le découvrir. Ok. Bon, je l'ai déjà montré tout à l'heure en live, mais t'étais pas là, donc... Du coup, je verrai si cette nuit j'ai farmé pas mal de bouffe, du coup, en AFK là. Ouais. Du coup, on amasse bouffe encore. J'ai ramené une quinzaine de stocks de poissons. Ouais, bah j'en ai pris un, du coup. J'avais plus Ah, rien. mais t'inquiète, faut prendre, c'est fait esprit, de toute façon, c'est là pour les prix. Là, pareil, tout à l'heure, quand j'ai joué, avant que je partais chez les nains, un petit peu en début d'après-midi, j'ai joué. Du coup, j'avais récupéré aussi pas mal de cuir et tout. Là, je vais en fait, on va voir pour faire. En train de démarrer pour faire ça. En fait, on va mettre un grand panneau à un endroit dans la ville, et en fait, on va mettre des cartes. Et en fait, la carte, elle va représenter toute la ville entière. On verra la ville entière sur la carte, en fait, qui sera Lourd. collée au mur.
Comme ça, tu verras, genre, mettons, t'es là en mode, je vais aller où, je regarde, hop, c'est bon, je sais où il faut aller. Genre, c'est le plan de la ville, en fait, à vrai dire. D'accord. Moi, j'ai hâte de voir ça. Un étourmi. Non, non, tombe pas! Moi, bon, c'est pas grave, il y a un truc à ramasser. Ouais, par contre, ouais, va falloir que je repasse derrière Tatiana au niveau des coffres. Y a quoi là-bas? C'est quoi? Ça doit être acier, non? Je sais pas si je peux y aller. Du coup, t'as vu le château comme il est maintenant? Ouais, c'est Du coup, une t'étais dinguerie. venu voir et tout. C'est une dinguerie. Ça va être sûr. On a commencé à 13h et quelques de l'après-midi. J'ai arrêté de jouer, il était 4h du matin. Ouais, elle m'a dit, ouais, t'as un baiser. Mais après, t'as C'était bien bossé après, hein. long, ta mère. En vrai, t'as bien bossé, hein. Mais Franchement, sur si le j'ai fermé. château, ouais. On a charbonné. Le petit Il faut un Azumarill. champignon. Ah, il y a encore une pièce là. Je sais pas à quoi ça me sert ces pièces là en fait. Est-ce que si je les Le donne. champignon du coup Genre ça se là. donnerait pas? Non, bah non. Allez hop, on va faire le petit dresseur là. T'es dans la même école que moi? Bah ouais. Évidemment que je suis dans la même école que toi. Et je vais te goumer! Ah du coup attends une seconde, je reviens vite en deux spi. Vas-y. Attends, lui il est dans mon école lui? Mais il a pas 12 ans, il a 25 ans, il a. Ouais, du coup, bah Mika il a récupéré la Switch. Que ce soit, il est allé chez son pote. D'accord. Qu'est-ce que je Du dois y coup, comprendre? je sais pas. Bon, je pense, je sais pas si du coup il a fait ça ce soir, mais bon, ça m'étonnerait. Mais du coup, la prochaine fois, ça veut dire que j'ai récupéré la Switch, j'ai le jeu. Bouh! Oh, j'ai tellement hâte de partager cette aventure avec toi, cousin. Mais du coup, je sais pas si c'est sûr parce qu'en fait, t'as vu, j'ai demandé qu'il m'installe plusieurs jeux. D'accord. J'ai demandé qu'il m'installe. What, c'est pas ça le craft? Obligé, on fait des chasses au Hop. shiny ensemble, hein, je te le dis. What, c'est pas ça? Ah, il faut le cure le T'as lapin. entendu? Ah, mais non, on pourra pas, Ah, je bah mets oui, ensemble. t'inquiète. Non, mais après, ouais, Oui, bah c'est si pas grave, on la fera en on pourra vocal, pas. quoi. On la fera en Oui, vocal. sérieux, t'inquiète. Mais Dès là, là, il parce faut que que tu fais des là, on shiny, je peut suis pas là vraiment et faire les tout. chasses en shiny ensemble, c'est ça le pire, quoi. Mais ouais. Bah c'est en fait c'est le seul truc que pour la Switch craquée qui me dégoûte un petit peu. C'est parce que comme par hasard j'ai fait craquer la Switch et il sort un Pokémon Ouais. Allez, un Pokémon où le enfin il sort multi est vraiment intéressant, quoi. C'est ça alors qu'ils n'ont jamais sorti ça. Du coup voilà, c'est le seul truc qui me fait un petit peu chier. Mais sinon après les autres jeux je m'en bats les steaks en fait de pouvoir jouer en ligne. C'est juste celui-là. Hop, du coup. Du coup, Ah, c'est ça m'a fait une 35e un. bouffe. Ça, c'est. Je connais ce Pokémon. Est-ce que je l'avais soigné l'autre là? Ouais, le Plus que 5 Kumito, il est bouffes à soigné. manger, j'aurais bouffé toutes les bouffes du jeu. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est bon ça. Mais là, je vais voir, Ah je merde, j'avais pas vu prends ton quand même message, une autre. Sophia. Pardon. Toi aussi, tu retrouves qu'il ressemble à Genshin? Non, pas spécialement. Je retrouve qu'il ressemble à Pokémon. À un Pokémon un peu moche, parce que, enfin, un peu beaucoup même, mais graphiquement, le jeu il est vraiment pas ouf. Mais ouais, non, moi ce que je kiffe en fait, c'est plus pour ce qu'ils ont utilisé. C'est-à-dire qu'ils ont pris des bons trucs de Arceus, ils ont pris les bons trucs de Pokémon Épée Bouclier, les bons trucs de Pokémon Soleil et Lune, et ils en ont fait un mix de tout ça. Pour moi, le seul défaut du jeu, c'est vraiment les graphismes. Ah, mais merde, mais à chaque fois, je fais pas attention à la terra cristallisation. Je suis vraiment un boulet, du coup il est acier, il est pas roche, il va me démonter la gueule. Peut-être je vais pas lui faire de dégâts en fait. Est-ce que Zénith ça peut servir à quelqu'un ici? Pas du tout. Bon, on va faire des morsures. Voilà. Let's go faire des morsures. Oh non.
Et du coup, j'ai déjà mis Kyle sur son bot, il m'a installé du coup les deux Pokémon, Écarlate et Violet. Personnellement, je jouerai Écarlate. Ouais, je sais, tu m'as dit, ouais. J'ai demandé pour Diamant Étincelant. J'ai demandé quoi? J'ai demandé un jeu de moto pour Cindy. Comment ça s'appelle? Sinon, j'ai demandé juste Dance 2022. Comme ça, il est petit, on peut jouer. Super Smash Bros Ultimate Battle. Mario Striker Battle League aussi. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre quand tu vas jouer à à Dance truc là. Ouais, quoi. Obligé, tu te filmes et tu m'envoies la vidéo en train de danser. Bro, tu l'avais peut-être déjà vu ça. Je t'ai pas vu toi danser. Mais au terrain avant, on y jouait ça. Mais t'avais 10 ans, non? Je sais pas. Bah oui. Bah voilà, là je veux. J'ai trop envie. Oh, tu te calmes, tu te calmes. Ça va. Attends, dès que j'ai l'occasion de me foutre de ta gueule, je le fais moi. Je veux que tu juges mon magnifique talent de danseur. Attends, j'ai fait une chorégraphie au mariage de Michael, tu crois quoi? Tu crois que je suis pas dans ce concert? Jure? Ouais. T'as appris à danser et tout, genre? C'est pas j'ai appris à danser, en fait c'est que les demoiselles d'honneur, elles ont voulu faire une petite danse, du coup il y avait juste... Il y avait moi et Steven qui se sont ajoutés à elles. Et du coup on a fait une chorégraphie d'un truc sur internet là. D'accord. Du coup, il y a eu une pause pendant tout le truc où il y avait les chanteurs et tout. Et nous, on a fait une chorégraphie devant tout le monde. La honte. Ouais, c'est trop stylé. Les Branquignacs, ça n'a pas dansé, quoi. Ça va. Non, ça va pas. C'est la honte. Vas-y, apparemment, j'ai un Pokémon pour le faire évoluer. Faut que je fasse 1000 pas. Mais avec lui dehors, genre. Putain. Ouais, mais je sais pas à quel moment ça fait 1000 pas en fait. Venez, on va se le faire ce dresseur là. Une fois que je suis passé à côté de lui, je me suis dit, ouais, vu que je suis en zone 4, il est chaud, mais. Je sais pas pourquoi je sens que je vais le goumer. Je prends beaucoup plaisir à remplir mon Pokédex, et toi? Ouais, pareil. Prudence. Prudence l'étudiante. Ok. On va juste stocker là pour l'instant. Parce que je peux pas continuer à faire là. Je peux pas continuer à faire la map. Ouais, on va le goumer. Froid de frimousse, vraiment, c'est une bonne attaque. Hein. Fait un peu de dégâts, on paralyse, c'est vraiment très utile. Allez, t'as plus 5 fois là. Il y en a plein qui se sont rassemblés dans le château, ça abuse. Hein? Il y a masse golem dans le château maintenant. Ouais, de ouf. Les villageois sont installés dedans, ça y est. Bordel. Mais attends, mais... Les amis, où tous les trucs? Ils n'ont pas mis de panneau? Ah d'accord, ok. Je me disais aussi. Il n'y a pas de panneau. Et du coup, tu construis, c'est pas là-bas qu'il y aura ta maison. Si. Je fais tout là-bas. Ouais, je fais tout là-bas. Ok. J'étais pas sûr. Bon, les amis, je pense qu'on a. Bon, on a peut-être pas récupéré tous les objets de la zone, mais.
pense qu'on a fait le tour, hein. What? C'est un tentacule, ça? Du coup, t'as vu toutes les pièces? Mais tout à coup, ils ont une nouvelle Château? forme. Ouais, j'ai vu toutes les pièces. J'ai aussi vu ton bouton qui m'a fait tomber par terre. T'inquiète pas. Non, non, on l'a pas Ah, montré. ça, On j'aurais ne l'a voulu. pas montré. Ah, ça, j'aurais voulu être là. Je suis tombé dessus tout seul par hasard. Voilà. Et après, t'as Jenna qui arrive en Ah, fleurs. ça, je Elle arrive comprends. en fleurs. Hé, Rémi, viens voir. Du coup, je la suis, nana. Elle me dit, tiens, regarde, c'est une pièce secrète. Va dedans. Et appuie sur le bouton. Sauf qu'en fait, il y a 10 minutes avant, je venais de me casser la gueule, quoi. Et du coup, Bah, tu es je l'ai pas retourné ou refait. pas? Bah, non. Enfin, si, si, je suis parti. Ça m'a saoulé. Je suis passé par là pour aller plus vite. Voilà. Elle m'a dit, oui, j'ai dit à Michael, fallait le faire plus haut, je sais pas quoi. Je veux pas savoir. Après, c'est un relais, en vrai, il y a juste à faire un trou et mettre de la lave. Ouais, tu peux faire ça aussi. Attends, mais attends, attends, Le parce mec, que il je viens de vient. me Oh, rendre compte c'est qu'il y a bien, un c'est bien. tentacule, mon gars, il est chelou. Ah, elle a fait ça du coup. Ah ouais, stylé. Je crois les tentacules, il y a une Elle a forme de bien fait. tentacule dans le jeu. Elle a fait une grande table, genre c'est là où on va faire les réunions pour discuter. Elle a fait un lustre. Ah, stylé. Elle a bien fait. Ok. Attendez, mais je suis où là? Ah, je suis dans la zone sud numéro 4, c'est pour ça, je devrais pas être là. Ouais, on a bien fait tout le tour ici. Ben oui, il faut short de là parce que là, il y a trop de nouveaux Pokémon que j'ai pas encore attrapés pour remplir le Pokédex. Et là, en fait, il y a que le Tentacool qui me. Je suis curé de fou là, le Tentacool là. Ouais, non, je vais rien ramasser ici, je vais pas battre les dresseurs. Je veux juste guetter Ah, le c'est quoi ça? Tentacool. Il pourrait être où le Tentacool? Le Tentacool, c'est dans l'eau en vrai. Je sais pas où il pourrait être. Non, venez, Putain, ouais, venez, mais venez, du venez. coup, Pourquoi ils me le disent Non, là? ouais. Va vraiment falloir que j'y range ces On peut coffres. pas mettre un truc sur le tentacule là? Parce que j'arrive pas à me repérer. Vas-y, pourquoi ils annoncent tentacool là? Y a pas de tentacool. Et encore, en vrai, dans le château, il y a des endroits où il manque des choses. Il y a des endroits où il fallait mettre des bougies et tout. Et bon, j'ai pas de Mais bougies. t'as le Enfin, j'ai pas temps, de t'as le bougies, je temps. suppose. C'est déjà bien tout ce que t'as fait. Temps couvert et chute de rocher, on raconte que le dominant vase ce ciel. Venez les gars, on a fait la zone ouest sud 2 là. On va aller dans la zone sud 3. Et on va aller guetter le dominant là. Et c'était où le dominant? C'était ça là? Ah, et t'as vu On va aller aussi ces trois là-bas. statues qu'elle a faites? En plus, il y a un truc dragon, venez, on va là. Ouais, c'est un truc de fou, ça m'a fait flipper. Ouais, j'ai vu ça, j'étais mort. Là. Elle a fait trois villageois en statue en haut de la montagne. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que déjà, là il y a, je crois c'est le truc dragon. Donc déjà nous, Pokémon Dragon, on est chaud. Je sais pas si je pourrais y aller, mais on va tenter. Et après on va aller voir le Pokémon dominant. On va aller voir ce que c'est. Oh ben dresseur. Let's go. Vous croyez quoi vous? C'est moi le meilleur dresseur. Un jour je serai le meilleur dresseur. Cordélia, Cordélia, tu es très jolie. J'aime beaucoup ton style. Mais tu envoies des Pokémon tout nuls. Je vais te goumer la gueule! Pourquoi Attends, vous voyez pas derrière ma tête. Regardez comment elle se tient. Genre, elle veut mettre des patates. Elle veut quoi, elle? Patate de forain. Ouais, c'est ça, ouais, elle rentre chez toi, ouais.
Branche-toi, meunier, tu fais peur aux oiseaux. T'as pas vu une perdrix depuis 10 ans. Alors, attendez. Tac. Mon but, c'est d'aller là-bas. Donc, on va y aller. On va essayer de trouver un moyen d'y aller. C'est quoi, c'est un tissu en boule en bas, là? Non, c'est un rond doudou. Avec un terracristal. Non. Je fais quoi? Je vais essayer de le voir. Rond doudou! Un rondou qui et les terracristals. Bah, je sais pas. C'est pas haut, ça? Je sais plus, j'arrive pas à les reconnaître encore. Hein. C'est super efficace, c'est que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est haut. Bon, je go dodo, des gros bisous et content de les retrouver, ça fait grave plaisir, Sophia. Désolé, je t'ai répondu, mais j'avais pas vu ton message sur le truc de Genshin là. Et du coup, je t'ai répondu, mais je crois que t'as pas vu. Enfin, t'as pas entendu. Du coup, bah, des gros bisous à toi, prends soin de toi, Sophia. Et bah, du coup, ouais, maintenant on est de retour en stream, donc on espère revenir en force. YouTube, n'hésitez pas à rejoindre le live Twitch. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre la follow la chaîne Twitch. Si jamais je suis en live, vous le verrez comme ça. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. On joue à beaucoup de jeux chill, hein, comme vous avez vu avec Michael, on parle beaucoup de Minecraft, de Pokémon, etc. C'est très tranquille ici. Mais comme on disait tout à l'heure avec Kilo, à tout moment, je peux partir sur Elden Ring et péter mon câble. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, ça fait plaisir. Après, on éclate rock. À quoi? À mon. Bah non. Si on marche, on fait ça. Sait-on jamais? Pas d'évolution. Attends, mais je l'ai tué! Non, mais pourquoi j'ai pas attrapé le rond de doux? C'était un terracristal haut. C'est trop stylé ça. Un rond doudou haut. Moi, c'est pas grave. Là, en tout cas, Un y en rond a de un qui dos. a potentiellement un. Ok. Je sais pas si ça va être quoi comme Pokémon. Parce qu'en fait, je me dis que c'est un Pokémon dragon, mais non, mais pas du tout. C'est juste un Pokémon qui devrait avoir la Terra Cristallisation Dragon. Si j'ai bien compris. Ah, mais. Mais non! Mais non! Non, si c'est ça, Sûr. si c'est ça, c'est une blague. Eh bien, si je me trompe pas, la cristallisation qui est en face de moi, c'est une cristallisation dragon. Sauf que le Pokémon qui a cette cristallisation, ça serait un tournegrin. Donc en Un gros, tourne de dragon. je vais avoir un tournegrin type dragon devant moi. What the fuck? C'est n'importe quoi! Ouais, c'est ça, je crois bien, c'est la terracristallisation dragon. Je vais avoir un. Ah, c'est énervé ça! Un tour de grain type dragon! On aura tout eu! Racon! Contre, cause, Ouais, admettons ouais. que le pote Amika, il s'est dit dans la soirée pendant que ils ont fait la soirée, il s'est chauffé, il a dit ah oh, vas-y, je sais comment ça marche, ça se va vite, je lui installe tous ces jeux. Ouais. Du coup, imagine, et là Ouais. du coup ça veut dire que dimanche quand Mika est bien, ça veut dire que là il me passerait la suite, et là ça serait dinguerie là, mais je pense pas. Mais si c'est le cas, si c'est le cas, si ma soeur est pas là ce week-end, obligé on vote, hein. Si c'est le cas, dimanche, je pense du coup l'après-midi, je vais laisser la suggestion comme ça, il me saoule pas, il joue. Et après, quand tout le monde sera parti et tout, fin d'après-midi, j'arriverai. Hein. Ouais, faut qu'on Je s'éloigne. Bon. viendrai et je jouerai. Les gars, je vous Mais dis, bon, j'attrape ma mascotte. j'y crois pas. Un tournegrin dragon. J'ai jamais vu ça, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi tu crois pas? Faut être optimiste dans la vie.
Mais là, attends, ça va, le mec il a pas Peut-être que fait rentrer Mika, pour un Mika, chemin. il lui a dit, ouais, dimanche, je récupère. Ça, dimanche, je le ramène la Suisse, nanana, fais ça en 2-2, et puis voilà. Ah, ben non. Ça se dérange, les gars. Non, par contre, là où j'ai hâte, c'est le 15 décembre. Ouais. Avatar. Ouais, de ouf. De ouf. Et d'ailleurs, ouais, tu m'avais dit, mais après, enfin, je sais pas, je sais que, genre, moi, je vois Florent, il m'a dit, il va souvent au ciné, lui. Ouais. Il va souvent au ciné, il me dit, j'ai. La seule fois où j'ai eu des gens qui, on va dire, qui a. Enfin. Qui faisaient du bruit, machin, qui gueulaient un peu et tout. Il m'a dit, c'était One Piece. Le film Red. Il m'a fait, sinon, tous les films que je vais voir, tous les films qui sortent après, je vais. T'as vu, il a la carte. Du coup, il y va souvent. Il m'a dit, les gens, on n'est jamais dérangé dans le cinéma. Ouais. Jamais dérangé dans les salles de cinéma. Bah écoute, tant Après, du coup, je sais mieux. pas si chez toi c'est pareil. Mais bon, nous, je me dis à l'avenue 83 quand même, t'as vu. Du coup, c'est pour ça, je me dis. Cousy, il faut que t'ailles le voir au cinéma. Bah je verrai Et avec ma s'il y en a un soeur. qui fait un bruit, tu descends de ton siège, tu vas le voir, tu fais bon. Soit tu parles encore une fois, soit je te pète les dents. Non. Non, je fais pas ça. J'irai écoute si. Écoute ou. Michael. Oh la Michael. gueule! Mais c'est quoi qu'il a? C'est des cheveux, what the fuck? Oh, ses cheveux comme ils sont. Oh, il a la gueule! Ah, Le mais il est mec. constipé, ouais, comme il se retient! Le mec Il se il. retient, hein! Le mec il peut me faire l'attaque fou Eliane avec sa gueule. Mais ouais, Oh comme il est con. constipé, on Ah ouais, dirait! c'est abusé. Everett le Et là? randonneur. Mais ouais, en même temps, il a en randonnée, le mec, c'est fou, ça fait 3 jours qu'il a pas chié. Ah ouais. Non, au cinéma, je leur dirai pas, j'irai pas ça au cinéma. J'irai le voir, j'irai écoute, si tu fais encore un petit peu de bruit avec ta bouche, tu verras pas la fin du film, quoi. Tu vas t'endormir. Tu vas dormir pendant 2-3 jours. Ça va bien se passer. Hein. Je vais la Ah, ça réconforter, va, tu gars. vois. Ah ben. Je suis pas quelqu'un de violent, moi. Ah, mais t'as vu au moins que tu vois au cinéma, quoi. Ah non, mais je le verrai au cinéma, mais c'est pas sûr que je le vois le jour J, tu vois. Ah, bon, moi je le vois le lendemain, du coup ça va, mais. Mais moi, j'aurais Mais kiffé le surtout voir le fais jour J, gaffe, hein, c'est hein. sûr. Hein. Bah, il y a des spoils, là, Si ça tu va y vas aller. pas Hein. rapidement, Je sais, voilà, vraiment, Avatar 2, essaye c'est de le voir le plus tôt possible. info sûr, C'est pour Avatar ça, nous, 2. là, la réservation, elle fait plaisir, quoi. Mais. T'imagines, on a quand même réservé 20 jours en avance. Avant qu'ils sortent, on est sûr. Tu sais que On est tu sais tranquille que le comme ça. film, s'il doit être rentable, faut qu'il rapporte plus de 2 milliards, je crois, de dollars. Ouais, C'est un truc j'ai de vu fou, ça. hein. Chaud. Attendez, mais je suis au début là, je suis Ouais, où? fallait qu'il soit. Et je sais plus, je crois que j'avais vu comme quoi il fallait qu'il soit le troisième film le plus vu de l'histoire pour qu'il soit rentable, un truc comme ça. Bah ouais. Il y avait écrit, si je me trompe pas, comme quoi il fallait qu'il soit le troisième. Mais bon, à l'heure actuelle, le premier c'est qui? Mais c'est Avatar, le 1. Enfin, le premier, si je me trompe pas. Ouais, il est repassé devant, ouais. Ouais, du coup, ça veut dire En fait, il faut qu'il prenne la que. place du Titanic, en fait. Voilà. C'est ça. Ouais, j'ai Mais va flippé. savoir s'il faut. J'ai cru voir une araignée Après. gigantesque passer sous mon pied. Mais ça doit être dans ma tête. Je suis fatigué. Vous savez pas, vous, YouTube, mais là, je stream, il est tard. C'est pour ça. Mais j'en ai profité pour vous faire le let's play. Putain, mais les gâteaux ça donne pas de la bouffe que j'ai comme quoi je consomme. Ça marche pas. Putain, c'est quoi les bouffes qu'il faut que je mange du coup? Je comprends pas, il y a 40 bouffes à manger là. Ah mais Michael, tu dans faut que tu me files du sucre et tout. Comment ça, faut que je te Ou file? des gâteaux au pire, si t'en as plein. Oh con, j'en ai pas plein du coup. Faut que ça se craft après. Parce que j'ai prévu de faire un truc sympa. Mais attendez, mais j'arrive Bon. pas à aller. Ah mais non, mais c'est là-bas. On va mettre une destination comme ça, je me perds pas. On va sortir le Pokémon en même temps. Comme ça, on va le faire marcher. On n'aura pas d'évolution là, à un moment donné là. Oh! Dernier let's play, ça fait que d'évoluer tous les côtés là. On veut des évolutions Et nous. pourtant, je comprends parce qu'ils mettent le gâteau dans la liste.
Akush, je peux pas t'aider. Et le gâteau, je viens de le grailler, j'ai rien eu. Oh, je suis sûr que tu arrives à sauter la Miraidon, arrête genre tes conneries. Ah non, alors attends, y'a quoi? Algue séchée, ah celui-là je l'ai pas fait. Algue séchée, B sucré j'ai fait, B illumination j'ai fait. Betterave c'est bon, bœuf cru, ouais, bon, bon, bon. Ah la chorus, chorus j'ai pas fait, bœuf c'est faut l'end dans tous les cas. Cookie, cookie c'est pas fait je crois, faut que je fasse les cookies. Fiole de miel c'est fait, ça, ça c'est fait. Fait. Ça c'est fait, ça aussi. La pomme de nut, du coup, je l'ai pas encore fait, je la garde pour l'instant, mais je le ferai. À la soupe de champignons, je sais pas si je l'ai faite. Tarte aux citrouilles, je crois que je l'ai faite. Oh, on m'appelle. Une. Ah, c'est Pepper. Devenu en roche falaise et quelque part dans cette sauce rocheuse, je l'ai cherché, mais c'est impossible de le trouver. Ça se trouve, il s'est collé bien en hauteur sur une paroi. Tu crois que c'est possible? Non, en fait, ça m'étonnerait. Je veux qu'il soit à un endroit aussi inactif, donc je t'embête pas à le chercher trop loin. Tu risques de tomber de la falaise. Et si tu sais plus où t'es, je te conseille d'ouvrir ta carte pour voir les alentours. Oh, y'a moyen que je puisse monter sur les falaises là? Oh, dites-moi que oui. Mais vas-y, je passe à côté. Ça, par contre, ça, c'est mal fait, bordel. Ça casse la tête. Je vais te goumer, Lixi, je vais te goumer. En vrai, j'ai moyen hein, de faire toutes les bouffes qui manquent, il me restera qu'une seule bouffe et aller dans le truc du dragon. En termes d'histoire, t'as pu s'avancer du coup, cousin? Dans quoi? Pokémon, je crois que t'es à ton 5ème ou 6ème let's play, un truc comme ça, non? Là, c'est le 6ème, là. Donc, ouais. Bah, histoire, sans te spoil ou quoi que ce soit, en fait, le dénouement du début de l'histoire, je parle. Donc, voilà. En fait, ça te mène à 3 quêtes, en fait. T'as une quête en fait où. En fait, c'est 3 quêtes principales. T'as une quête qui te dit en gros d'aller faire les arènes. Une autre quête qui te dit d'aller faire des Pokémon dominants. Et t'as une autre quête qui te dit en fait de faire les. De faire les sbires en fait, tu vois, les méchants du jeu. Okay. Et en fait, la map elle est ouverte. Entièrement ouverte. Donc en fait, tu fais ce que tu veux en fait, comme tu le sens. Alors tu peux pas accéder partout parce que tu débloques les modules de ton légendaire qui est. Sur qui tu vas monter, etc. Tu vois. Mais sinon, c'est. Tu fais un peu comme bon te semble, tu vois. Si t'as envie de passer ton temps dans une zone à te balader, faire des pique-niques ou je sais pas quoi, tu le fais, tu vois. Et si t'as envie de taper une arène, et après faire un dominant, et après faire un sbire, ou faire toutes les arènes d'abord, mais en fait, tu le fais comme tu le veux. Si j'ai bien compris, c'est ça, quoi. Enfin, jusqu'à maintenant, là, j'ai pas de restrictions, quoi. Ce truc qui me restreint, c'est mon légendaire qui. Ben, moi, il fait rien, tu vois, à part rouler. Donc je peux pas aller dans l'eau, je peux pas escalader, je peux pas faire ça, tu vois. Mais sinon, ouais. J'ai déjà là, les zones que je me balade tranquille, quoi. Ah, franchement, il est bien. Et alors, pour toute façon, t'es obligé de quand même un peu jouer, faire l'histoire et de monter tes niveaux. Parce que si tu vas dans une zone où les Pokémon sont élevés, tu vas te faire laver, tu vois. Une fois, j'étais tombé sur un Pokémon, il était level... je sais plus c'était qui, il était level 25. J'étais niveau 10-12. Ça te montre ouais, quoi. Ça fait un peu comme un. Tu sais, les mondes ouverts de base, tu vois. Tu arrives à des zones où ils sont trop durs. Et ça veut dire que c'est pas maintenant qu'il faut que tu ailles, tu vois. Ah, bah oui.
Non, franchement, le jeu, il est top, hein. Le jeu, il est bon. Franchement, les Pokémon et tout ça, mais les graphismes, par contre, c'est refusé, quoi. Les graphismes, ils sont clairement refusés pour moi. C'est honteux. Allez hop, les Bon, je suis à brûlés 36 dégagent. bouffes sur 40. Là, on va partir pour faire la 37e bouffe. Ah non, avant de faire la 37e, je vais voir si celle-là, ce serait pas la 38e. Je crois que je peux faire la Ah 38e. ouais! C'est bien après quand je vais venir sur Minecraft, j'aurai un truc à te négocier. À me négocier. Tu vas comprendre. Voilà. Vas-y, à quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Ah, j'ai trouvé le Pokémon du trailer, je crois. Il y a un viewer et c'est moi. C'est possible. Crapa-Roi, ouais, c'est le Pokémon du trailer. Le gros crabe là. Tiens. Oh, le tue pas, s'il te plaît. Ah non, je suis à 36 encore. Putain, mais c'est quoi que j'ai pas fait là? Alors de sûr, j'en ai trois. Trois que j'ai pas fait, c'est la pomme de Notch, le chorus et les cookies. Du coup, c'est quoi ce que j'ai pas fait? La tarte aux citrouilles? J'ai la jambe qui me Non, démange. Depuis que j'ai vu suspect de l'araignée, betterave, j'ai envie c'est de me gratter fait. les pieds. Suspect, c'est fait. Cours à passe de Crapa-Roi, la défense. C'est quoi son truc là? Il va me goumer là, non? Non, ça va. La petite Super Bowl qui fait plaisir. Je sais pas. Let's go! Encore un nouveau Pokémon, ça fait grave. Ouais, mais je kiffe, moi. Moi, je kiffe découvrir les Pokémon, c'est un truc de baiser. C'est moi, je suis comme toi, cousin. Je Ouais, me du suis pas coup. fait spoil, hein, donc. C'est. À Ah, part bah, les. En fait, moi, j'ai c'est ça juste qui est vu les bien. trailers. Et les trois évolutions de starter, parce que j'en avais besoin pour choisir ce que je voulais, tu vois. Mais Et c'est moi, de tout. base, je fais ça, mais là, je me suis dit, vas-y, let's go, j'ai pas envie. J'ai envie de me fier juste trop petit. Et de toute façon, après, voilà, hein, s'il faut des fois, ça arrive Ah, que il a dans la pas d'évolution? partie, tous les Pokémon que j'ai, je prends pas le starter après. Ah, je pensais que Crapa-Roi il avait une évolution. Ouais. Je suis loin ou pas là? Et du coup, t'as débloqué le Bah, truc pour les œufs ou pas? venez, Et on enfin, est-ce qu'il y a trace le truc pour les direct. œufs déjà? Je sais pas comment on fait. Je sais que j'ai le pique-nique, mais je sais pas comment on fait les œufs. Viens, on va tracer direct. Parce que si je me trompe pas, il y a le truc pour les œufs, je crois, dans le jeu. Non, 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 il n'y a pas l'élevage. Hein. Les œufs, tu les fais au pique-nique. Oui, mais dans tous les cas, c'est oui, mais c'est le truc pour les œufs. Je veux dire, tu peux faire les œufs, Bah, quoi. si tu veux faire la méthode Masuda, ouais, c'est avec le pique-nique, quoi. Et tu sais pas comment on fait du coup, t'as pas réussi Non. à Bah, trouver. après, j'ai pas regardé, tu vois. J'ai pas cherché non plus. Un coquillasse, du coup spectre. Grondoeil, je crois que t'as des attaques ténèbres. Donc ça devrait le faire. Pense que c'est spectre, imaginez ces ténèbres. Putain, ça me casserait bien la tête. Hein. On va pas s'emmerder hein, pour voir quelle bouffe j'ai mangé. Attends, il y a pas le lit. Attends, y a le truc des statistiques là. Il y a pas le truc pour les bouffes. Voilà, nickel. Je peux savoir les bouffes que j'ai mangées. Nice.
La pomme de terre cuite, j'ai pas mangé. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Quelle bouffe il me manque. Il me manque la pomme de terre cuite, le cookie, la pomme de notch et le chorus qui se trouve dans l'end. C'est bon, j'ai trouvé tous les trucs qui me manquaient à bouffer. Ça fait zizir. Nickel. Donc coquillasse type spectre. Ça change toute la donne en fait. Hein. C'est de. Stylé ça. Bah ouais, c'est stylé, ouais. Parce que Crystal brille en mode. Alors je sais pas si les évolutions spectre. Gardent le même terra, hein. Ça je sais pas. Enfin je pense que oui, mais bon. Bah. Et du coup ça veut dire qu'il serait quoi? Parce que vu que de base il passe pas au acier, au glace. Ouais. Non mais au glace ça reste en fait. En fait si j'ai bien compris. Je t'explique. En fait si j'ai bien compris. Quand le Pokémon il est Terra cristallisé, il prend un nouveau type. Donc un peu comme les méga évolutions. Sauf qu'à contrario, les méga évolutions, parfois quelques Pokémon prenaient un nouveau type, mais gardaient l'ancien. Du coup, il se créait un double type, tu vois. Genre comment il s'appelle l'évolution de Arco là. C'était Arco, Masco et Junko. Eh ben Junko là ou Junko ouais. Là, eh ben il devenait plante et dragon. Et tout le temps qu'il restait méga évolué, d'accord? En fait là la Terra ouais. Cristallisation, même les Pokémon qui ont deux types, ils peuvent avoir une Terra Cristallisation d'un autre type encore, un troisième type. Ah du coup il peut être trois types. Ok. Alors c'est... Non. Justement, non. Ah. C'est ce que j'ai cru au début. Et en fait, non, quand il est Terra cristallisé, même s'il a deux types, en fait, il prend le type de la Terra cristallisation. Donc, tant que le Pokémon est sous Terra, si, admettons, il est eau électrique et que sa Terra, elle est feu, ça devient juste un Pokémon feu. Rien d'autre. Et s'il a juste un seul type ? Mais pareil, il prend que le type de la Terra. Mais oh, mais en fait, stratégiquement, c'est stylé. Parce que tu sais pas le gars quand c'est qu'il va envoyer sa Terra. Bah exactement. Tu t'y réalises pour changer de type. Exactement. Et du coup, si admettons le gars, moi, enfin, admettons moi il me reste qu'un Pokémon O. Tu es en train de faire un combat contre moi, il me reste plus qu'un Pokémon O. Toi tu dis bah c'est bon, je vais envoyer un Pokémon électrique par exemple. Sauf qu'en fait moi mon Pokémon O il a une Terra cristallisation seul. Je l'active, tu peux rien me faire. Ah ouais, tu vois le délire. Donc il y a quand même un côté stratégique qui peut être grave exploitable. Voilà. Mais après, il faut savoir que la Terra Cristallisation, elle reste dans le combat, mais je crois que quand t'atteins un seuil de vie, elle s'enlève. Ou je sais pas quoi. Parce que quand t'en croises un sauvage sans passer par un raid, au bout d'un. Quand t'arrives à un niveau de vie, il a plus en fait, tu vois. Eh ouais. Donc je sais pas trop ça. Mais faut voir lors d'un combat PVP, quoi. Et tout, c'est que jusqu'à maintenant, putain, y a aucun, des grenouilles dans notre aucun qui m'a baissé assez ma vie pour que je puisse voir si ma Terra s'enlève avant ou après mourir. Oh, j'ai trouvé le Pokémon dominant. Il est gigantesque. J'ai trouvé une nouvelle race de grenouilles. Caninos ! Obligé, j'attrape. Je vous le dis direct, obligé, j'attrape. C'est quoi ça là-bas? C'est un mordu d'or? Mais c'est pas une pièce ça, il a l'air gros. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Ah si, c'est une pièce. Ah pourquoi je refais cette attaque quand je suis bête? Tu sais qu'Aninos avec une attaque je te goûme, alors fais pas le beau. Hein. Pareil, après là je suis dans le marécage, là les mangroves, les nouveaux mangroves. Mmh. Du coup il y a de la boue, du coup ça fait encore un nouveau bloc. Ok, Caninos, c'est à moi.
Et maintenant, on va aller voir le Pokémon dominant, les amis. On va s'arrêter sur ça. On va découvrir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il faut faire, surtout. Une petite évolution? Ça serait bien? Une petite évolution? Non, je veux pas l'inclure dans l'équipe. Non, merci, ça ira. Je voulais juste l'avoir parce que Kalinos, c'est un Pokémon trop beau. Pas d'évolution. Ok. Il va où? Mais attendez, mais je suis comment là? Rémi, je crois, je me croirais dans ton monde, sur Minecraft. Pourquoi? Il y a une croix volante. Jure. Ouais. C'est trop stylé. Oh con, Pokémon Dominion, mais il est gigantesque. On dirait un Gigamax, mais nous. Attends, mais je dois me battre tout seul contre lui là? Non, mais là, il y a une blague, non? Mais c'est une blague, non? Ils ont fait quoi? Ils nous ont créé des boss en fait dans le jeu? C'est quoi le délire? Ouais, j'ai le goût, mais hein. Est-ce que je vais lui faire des dégâts? Ouais, ça va. Je pensais que c'était plus dur que ça. Ça m'a fait peur. Mais bon, c'est le premier. S'il faut, les autres, ils vont être énervés, hein. Donc ouais, il monte l'attaque spéciale et la vitesse pour perdre de la défense et tout, ok. C'est lequel? C'est le crabe, celui du thriller? Ouais, Crapara, ouais. Mais sauf que là, c'est la version dominante, donc du coup, il est gigantesque, genre. Pas dans la vidéo, déjà. Dans le trailer. Bah ouais. On voyait qu'il avait pas le time, le bordel. Ah, il se barre? Cette pierre vient de bouger, non? Du coup, il part, mais... Attendez, attendez, avant d'aller le voir, je vais voir ce qu'il y a là-haut là. Ça m'évitera de revenir. Attendez, mais il y a un truc là, je peux pas le prendre, c'est quoi ce délire? Au con. Le crapaud roi dominant mange quelque chose. Cause, tu sais combien j'ai parcouru de kilomètres dans Minecraft là, depuis dans cette game? Non. 101 km j'ai parcouru dans Oh le jeu. link. J'ai tué 2800 créatures. Et comment tu fais pour voir ça? J'ai un. Dans les... Mais en fait, quand tu fais option, t'as toutes les statistiques. Tu cliques sur statistiques, t'as toutes les statistiques du jeu. D'accord. J'ai fait 44 000 dégâts. Et j'ai reçu des mobs 2000 dégâts. La différence. Après, t'as l'habitude et en plus on a un mode Mais normal, du ça coup, ça c'est bien va. parce que.
Mais du coup, il y a un truc qui est bien, c'est que mais du coup, grâce à ça, j'ai pu savoir quelle bouffe j'ai mangé. Parce que là, t'as les trucs de tous les items du jeu, et t'as la quantité minée, la quantité cassée, la quantité fabriquée, la quantité, le nombre D'accord. d'utilisations, la quantité ramassée et la quantité jetée. Et du coup, t'as ça de tous les items du jeu. J'ai utilisé dans le jeu 11 400 fois ma hache. Ah ouais, c'est des statistiques de ouf. Attendez, attendez, parce que là, pourquoi je me rebats contre lui? Et en plus, je suis accompagné de Pepper là. En vrai, balayette, hein. C'est pris. Je crois balayette, c'est par rapport au poids, non? Je sais plus. Non, c'est pas balayette, je sais plus. Bah, Bébé pioche net. 14 000 fois. Presque 15 000. Ah, et t'as toutes les créatures! Creeper tué 105. Enderman 10. Golem de fer tué 39. Les pauvres golems. Squelette 1714. Bon, ça c'est avec la farm du coup. Araignée 56. Villageois tué 3. Marchand ambulant 8. Tu es un bâtard. En termes de mob passif, c'est les vaches 139. Faut qu'on le goume là. Ok, est-ce qu'on peut l'attraper? Est-ce que c'est un Pokémon qu'on peut avoir gros comme ça ou pas? C'est quoi l'idée autour de ça là? Je pense qu'on trouvera un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Allons-y avant qu'il revienne. C'est quoi cette épice là? Je sais pas quoi penser de ça là. Curieux. Est-ce que c'est une grande grotte ou pas? On va voir si ça mène direct à l'épice. Sinon on la garde pour survivre. Non, non, c'est bon, ça doit être bon. Bah, il est devant toi depuis le début. Il est fou lui. Du coup, c'est quoi les pistes là? Exactement comme dans mon livre. Et sinon, j'ai bien fait de te faire confiance, petit loup. Qu'est-ce qu'ils disent dans mon livre? Voyons voir. Les pistes secrètes, sucrées, te fortifient l'estomac et favorisent la digestion. Digestion des aliments, ça dit aussi qu'elle est efficace contre les maux de ventre et peut permettre d'avoir. Ok. Mais qui c'est qui pourra la manger? Mais c'est quoi son histoire à lui? Je comprends pas là. Une réplique des badges. Dominant Roche Falaise vaincu un parfum de légende. Ok. Bah écoutez, à mon avis, s'il n'y a rien de plus, ça va se finir sur ça, hein. On aura au moins fini la zone 2. Bon, même s'il y a peut-être encore des objets cachés, etc. Mais en soi, on a quand même bien navigué dans la zone 2. Plus qu'on avait déjà fait dans l'esprit précédent. Là, le Pokémon dominant. Donc je pense que là, la prochaine fois, ça va être zone 3 découverte. Et arène. Et on va essayer de faire le premier sbire de la team, de la nouvelle team. On va essayer de faire le premier sbire, là, je pense, au prochain let's play, là. On va voir ce qui se passe, là. Mais donne-lui le sandwich, là!
Mais Raidon a pris la capacité de monture sprint. Donc là, c'est quoi? C'est que je vais pouvoir aller plus vite du coup? C'est bizarre, on dirait qu'il a gagné un nouveau pouvoir. C'est dingue, les bienfaits de cette épice sont vraiment incroyables. Je pensais pas que c'était aussi efficace, ça a vraiment fait du bien à... Faire du bien à ta chasse au trésor, ça c'est sûr, oh oui. Bref, on s'est bien régalé avec ces sandwichs, maintenant faut tout ranger. C'est quoi la magouille là? C'est quoi la magouille? C'est quoi la magouille? Turum, Turum, Aloptelu, ici Turum. Melaidon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sprinter plus vite lorsqu'il est sous sa forme monture. Pour sprinter, il vous suffit d'appuyer sur le stick gauche. Si vous percutez un arbre ou un sprinter, vous ferez peut-être tomber les Pokémon qui s'y sont perchés pour vous et vous pouvez les affronter. Continuez d'explorer la vaste région de Paldea en compagnie de Melaidon. Vous êtes libre de suivre votre chemin, alors utilise ta carte pour choisir où aller. N'hésite pas à laisser ta curiosité te guider, vous pourrez découvrir des lieux insolites. Et enfin, multiples expériences, car ce sont elles qui vous feront grandir. Surtout, je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Miraidon. Alors, attendez, on va juste faire un test avant le truc. Donc là, si je fais ça, ok. Et si je fais... Là, si je fais un saut normal, ok. Et si je fais un saut avec le sprint... Oh, ça va à peine plus vite. Ah, le saut, il est un peu allongé, non? Je sais pas trop. Enfin voilà quoi les amis, j'espère que cette petite vidéo, ce petit let's play vous aura plu. Comme vous avez pu le remarquer du coup, bon il n'a pas eu grand monde nous de notre côté sur Twitch, mais en même temps il est très tard. Donc c'est un peu logique et puis je commence tout juste Twitch aussi. Hein. Donc tout comme la chaîne YouTube qui vient juste de reprendre, c'est assez récent. Donc bref, si vous voulez apporter de la force et aider au référencement etc, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu dans les airs, à laisser un petit commentaire etc, à vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi ça me fera grave plaisir. Sur ce, on se retrouve du coup sur le prochain let's play. Comme je vous ai dit, on attaquera encore cette zone et on essaiera de voir le sbire. Et pourquoi pas une arène, on va voir. Et... On va découvrir, de toute façon ça va être là, ça va être full expo, ça va être full découverte du jeu. Donc là c'est un gros kiff pour moi. Donc bref, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez apporter de la force. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Voilà, moi je vais faire ce combat en douce et j'arrête juste après, promis, j'irai pas plus loin. Des bisous tout le monde, que du love. Ciao, ciao.